dit Antoine. Début de journée, petit café. Début de journée déjà, désolé. Ah oui, Jeanne, elle n'avait pas... Elle a pas été prévenue, ça va être vlogué tout ça. Non. Ok. Si je te le dis vraiment, on va commander un petit taxi. Bah allez, non, je vais appeler. Et on vient de commander un taxi. Petit taxi commandé là. C'est parti pour le Crocs Patrick. Alors qu'est-ce que vous avez prévu? Le strict minimum. Oh my god. That's weird. Yeah. Non. Okay. Mais non. Ah oui mais non. Mais c'est de la boule meurtre mais. Mais oui mais c'est du cidre ça. Connard, c'est marqué dessus. On bat les couilles. Non, c'est de la bière. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il dit. Ça sera coupé au montage. N'écoutez pas ce qu'il dit. 4,5, hein, c'est même lourd. C'est vrai. C'est meilleur. Bon, non, t'as pas grave. Ça vaut pas une bonne idée. Ah, je prends des forces. Ouais, non. Je prends des forces là. 700 mètres. Putain, vous avez vu ce qui tombe? Ma gueule. C'est pas grave, vous inquiétez. Ouais, appelle le taxi là-dedans, trop tard. Allez, c'est parti. C'est parti pour le Crocs Patrick. Antoine. Oui. Crocs Patrick. Vas-y, mais c'est tout. Petite vie en Irlande, les gars. C'est ça, en fait. Là, nous, on est posé. On a de l'argent. En vrai, on sait pas comment on va faire pour payer. On plaisante. On est au pied du Crocs Patrick. On va essayer de grimper ça, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, ça va être mortel. On va vraiment être mortel là. Hein. On va vraiment crever. Et c'est parti. Donc... Mec, ça commence comme au-dessus du stadier, mec. C'est Jamy, Patrick. C'est parti les gars, regardez-moi ça. Et oui Jamy, nous sommes vraiment dans la merde. Vraiment... Oh, ça se calme un peu la pluie. On dirait que la pluie est avec nous. Ok, donc ça c'est de l'eau bénite. Alors c'est totalement faux. Allez, ouais. On est parti. Regarde, il y avait ton téléphone devant lui. Est-ce que je suis stressé? Complètement. On va voir ce que ça donne honnêtement. Regardez-moi ça, mais regardez cette pluie bordel. Il y a un sacré temps, on va vraiment grimper ça. Des petits courants d'eau, justement. C'est beautiful, regardez. Ça va être insane. J'ai pas de mots pour décrire ça. En plus le vent ça se calme. Mais regardez. Non, c'est vrai que le temps il se calme. Oh putain oui. Voici l'océan. L'océan Atlantique les gars. C'est magnifique. Non, c'est pas l'océan Atlantique ici. L'Atlantique Pacifique ici. Non. Les gars, alors là, regardez-moi cette vue, là, elle est magnifique. Wow, sur tout l'océan, là, il y a des moutons. C'est magnifique, j'espère que vous allez m'entendre. Mais regardez là, c'est des espèces de roches. C'est, à mon avis, c'est très glissant, on va falloir faire très attention. Il pleut. Enfin, je vous jure, c'est un sacré... Salut le mouton. Regardez, il y a des moutons là-bas. Sa mère, je crois que c'est la plus grosse aventure de ma vie. Et regardez où qu'on monte. On monte tout là-haut les gars, tout là-haut. Et notre vue, la vue derrière, elle est magique. Sa mère. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Wow. Oh mec, je vais tomber. Et je vais décéder. Magnifique, c'est parti, on continue de monter. Ah,
Il y a carrément qui plantent leur tente. Voilà, voilà les gars où je suis, regardez où je suis, c'est magnifique ce putain de paysage. Allez c'est parti, on grimpe parce que moi je m'arrête, je prends des vidéos, je prends des photos et eux ils sont là-haut, je sais pas si on va m'entendre. J'arrive. Voilà pourquoi c'est mortel le Cross Patrick, voilà pourquoi c'est dangereux. Oh my god, regardez ce qu'ils vont traverser les gars. Un putain de torrent! Regardez-moi ça! Wow! C'est magnifique! Ah, regardez-moi cette vue encore. C'est ouf. Il fait 700 mètres, plus de 700 mètres. Antoine, ça va toujours bien? Oui. Explique un peu la vue qu'il y a devant nous là. C'est vraiment plutôt impressionnant. Parce que je vais vous montrer tout de suite, regardez-moi ça. Et alors là, ce que vous voyez là-bas, et regardez, vous voyez le petit truc là? Ça, c'est la main de la Statue de la Liberté.
C'est parce que là-bas c'est juste les États-Unis, donc voilà. Non, c'est pas vrai. Attention parce que regardez là, c'est que des roches, là c'est de l'escalade mon pote. Et voilà, mais regardez cette vue, elle est magnifique. Mon père ce matin il m'a envoyé un message, j'ai dit que j'allais le faire, il m'a dit non c'est pas dangereux, j'ai dit non c'est juste de la marche. Quand tu vois la vidéo, je suis désolé papa. Voilà, on n'est pas fini de mater cette vue derrière. Oh c'est énorme, c'est magnifique, c'est juste sublime. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Oh, on voit tellement loin. Bon, franchement, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Et là, regardez, il y a des putains de moutons sauvages. Là, on va aller découvrir une vue que Antoine a vue là-bas. Ok, donc là les gars on fait une petite pause, enfin genre il y a juste un petit lac en fait qui est dedans, voilà, qui est ici. On en avait entendu parler mais là on commence vraiment à être dans la brume, il commence vraiment à... Le vent est pas plus fort mais... Voilà, c'est très frais, c'est très humide, on voit plus beaucoup, regardez, on voit la vue, pas bien là, vraiment, là le lac est derrière moi. Je vous jure, les conditions sont vraiment horribles, il fait froid. Non, on va pas pouvoir bouffer là, c'est impossible. Non, on aurait dû s'arrêter avant. C'est ça que j'ai dit, le plus c'était de continuer. Bah non, non non, parce qu'en haut c'est pire, c'est pareil en haut, c'est ça jusqu'en haut maintenant. On aurait dû faire ça quand il n'y avait pas de bruit. Non là, on va pouvoir bouffer. Là, clairement, on explique un peu la situation, on est dans la merde. On veut juste un endroit pour bouffer nos cases dalles, sauf que là il y a de la pluie, il y a de la brume, c'est horrible pour bouffer. On peut pas s'installer, on peut pas se poser. Il est un peu qui s'en va. En vrai, ça va là, ça s'est calmé. Hein. Ça commence à se calmer. Je m'attends un peu, mais j'ai froid aux mains. On a un petit lac derrière si on veut se baigner. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Là, on mange. Il fait froid. Oui.
contre, c'est quoi leur reliche? C'est un plaisir. Là. C'est pas les petits, c'est pas les petits ceux des boules. Tranche de ham, là c'est vraiment du ham. Mais c'est quoi leur fromage là? Ils m'ont mis de merde là. Les gars, regardez cette putain de montée qui nous attend. On est dans la merde. Ah, immense. Avec le vent qui fait. C'est magnifique. Mais voilà, c'est de la verticale voilà. Mais regardez. Zéro sécurité, un vent de taré. Il y a beaucoup de vent, on a vraiment failli s'envoler, on va vraiment mourir. 5000 morts l'année dernière, je comprends pourquoi. Parce que voilà. Là, c'est vraiment. Là, c'est le vrai Croque Patrick là. C'est parti. Un peu les gars, je sais que je devrais pas, mais c'est tellement kiffant. Mais regardez les cailloux comment c'est, regardez ce que c'est, regardez ce qu'on grimpe, c'est hyper dangereux. Antoine a glissé, mais tout le monde glisse, c'est horrible. Vraiment il fait une force dans les jambes. On est en haut du Croque Patrick, mais là on est vraiment en haut. Genre, regardez, on voit même plus la vue là. Là on a l'impression qu'on est vraiment. Mais là on attend Jeanne. Donc voilà, elle est. Mais. Ça fait peur de pas l'avoir arrivé. Mais... C'est... On est monté vachement vite. Et elle monte vachement lentement. Mais c'est chaud. La petite affirmation. C'est vraiment chaud là. J'ai vraiment les jambes, elles sont chaudes. Elles sont.
Elles sont froides, genre elles tremblent. C'est une séance de jambes approfondies. C'est voilà. Pour des gens qui vont souvent quand on bosse pas, on va à la salle de muscu, là on ira pas. Non, pas aujourd'hui. Ni demain, on verra. Ouais. Mais voilà, en tout cas, mais belle expérience. Magnifique. C'est incroyable. Jeanne ! Ça va ? Ça va. Tant qu'on l'entend, c'est que c'est bon, elle est pas morte. Ouais. Ça va ? Et là, elle revient avec sa jambe dans sa main. Oh, elle est là ! Putain, c'est fou. Ah, là, on a. Imagine, là, d'un coup, tu filmes, d'un coup, tu vois un gros bélier qui se lève. Ah ! Jeanne ! Fais signe ! Eh, c'est ce qu'elle a fait. T'es où ? Ah, viens de voir. Allez. Il y a encore tout ça à monter, c'est loin, c'est haut, c'est. Apparemment, il y a une espèce d'église au-dessus. Ouais. On va y aller, on va voir ce que c'est. C'est. T'as vu comment ils font pour monter avec leur croix ? Jeanne, pourquoi tu compliques ? Pourquoi tu vois pas que ça fait un arrondi là ? Ça fait un chemin, Jeanne ? C'est là, tu te compliques. Là, c'est que des escaliers là. C'est tout fait exprès, c'est un chemin. Tout le monde passe par là. Non, on est toujours pas arrivé, non. Je suis mort là. Là, vraiment, avant ça allait, mais là. Là, vraiment, ça commence à être vraiment physique. C'est très très dur. Regardez les pentes qu'on monte, c'est horrible. Attends, attends. Offrande, tu veux offrir de l'argent? C'est magnifique. On est arrivé! Wow! On est arrivé! Oh, le vent! C'est une tombe.
rendez pas compte les gars. C'est tué avec le mur. C'est fou, c'est chaud. Quand t'arrives là, ça vous a plu, là on est arrivé au Croque Patrick. Je sais pas si je peux la descendre parce que franchement ça fait, j'ai plus beaucoup de batterie, mais voilà, en tout cas ce qu'on peut dire c'était une putain d'expérience. C'est la belle expérience, la plus grosse expérience de ma vie je crois. Je crois que c'est le truc le plus ouf que j'ai fait de ma vie, quoi. C'est ouf, c'est... Ça va faire une fois. Si tu le fais une fois mais c'est ouf, une fois que t'arrives là c'est... C'est bien, c'est ouf, ouais. Franchement, je vais vous filmer quand on va essayer de repartir parce que ça peut être vachement dangereux. Moi, je vais pas filmer, franchement. Mais voilà. Abonnez-vous. Bon, Antoine, peut-on dire qu'on est redescendu? Oh oui. Et qu'on a les pieds sur terre? Les pieds, parlons-en. Et parlons-en des pieds. Les pieds détruits sur terre. Oh mais il vient vraiment. Je vais piquer ta mère. On a pas ton temps mec. Eh Narvador. Regarde-le. Non non, arrête. On va pas chier. Rien de tes couilles. Comment ça tu réponds pas? Allez Narvalo. Hello. Yala. Où ça? Il se rapproche hein. Fais le malin, yala, fais le malin.